à l'entretien aujourd'hui avec Fred Mendy. Donc Fred, déjà, merci de t'être déplacé. Non, merci à toi Fabio de m'avoir contacté. Avec plaisir. Tu veux qu'on change la chaise quand les chaises plus hautes. Non, c'est bon. Et donc on va retracer toute ta carrière, oui. Qui a quand même été riche. Elle a été assez longue. C'était une belle carrière. Et on va parler aussi de ta carrière d'entraîneur et savoir ce que tu deviens aujourd'hui. Ok. Donc déjà on va revenir sur ce qui est tout frais. Tu étais vendredi soir au stade Louis Michel à 7 pour commenter la rencontre FC 7 Avranches pour FFF TV. Est-ce que ça peut être une possible reconversion? Non, c'est... Après, c'est vrai que c'est Béranger qui m'avait sollicité il y a le mois d'avant. Et je n'ai pas pu, parce que je n'étais pas là. Et c'est vrai que j'ai pris du plaisir, mais bon, rien de mieux que le terrain. Pas le trac de t'exprimer en direct et tout? Non, parce que je ne fais pas cas de ça. C'est, ça sort naturellement. Non, je pense pas aux gens qui écoutent. C'est le cœur qui parle. C'est pas, il n'y a rien de réfléchi. Alors, on va revenir maintenant à 1973, donc année de ta naissance. Tu es un enfant de Marseille. Ouais. Tu représentes, si je ne me trompe pas, la cité des Hirondelles. C'est ça. Et tu vois, j'ai bien étudié. Hein. Allez, c'est bon, c'est pas mal. Et tu as porté le maillot du club du Merlin, c'est ça? Oui. Et si j'ai bien étudié là aussi, tu étais au début, tu as débuté attaquant. Oui. Alors j'ai commencé au Merlin après l'année, je crois que j'avais 12 ans, ça va être en 85. Tu as commencé assez tard donc avant. Oui. J'ai commencé, j'étais pupille. Pupille, ça équivaut à Benjamin, je crois, c'est U13 maintenant. Ouais, c'est ça, U13. Alors j'ai commencé en pupille et c'est mon frère qui m'avait inscrit, je ne savais même pas. C'est mon grand frère qui m'avait inscrit parce que je jouais dans mon quartier, mais j'avais pas envie de jouer au foot parce que je voulais jouer qu'avec mes copains. J'avais pas envie de jouer. Et mon frère m'a inscrit parce qu'il y avait trois copains à moi qui sont devenus des amis maintenant qui jouaient. Et du coup, c'est passé comme ça. La première année en pupille, je jouais attaquant. Alors, je me rappelle, j'ai mis 32 buts. Alors, faut pas me demander comment, mais j'ai mis 32 buts. Après, à minime, pareil, je marquais, je jouais attaquant, en cadet. Et en cadet deuxième année, j'ai l'entraîneur qui est devenu, on va dire presque mon père, Patrick Berthier, qui me fait jouer avec les juniors. Et avant, les juniors, c'était 3 ans. C'était junior 1, junior 2, junior 3. Et j'avais joué contre des mecs qui avaient 4 ans de plus. Et lui, il m'a mis milieu de terrain. Et après, je joue milieu de terrain. Et quand il a pris, il a entraîné junior, quand il a pris la PH, l'équipe première, moi, je suis passé en junior. Et là, il m'a pris avec eux et il m'a fait jouer milieu défensif. Et c'est de là qu'est parti mon poste de milieu défensif et après, de façon centrale. Alors, comment se sont noués les contacts ensuite avec le FC Martigues? Et avais-tu eu d'autres contacts hormis Martigues, justement? Alors, non, je devais signer à Mazar un cadet à son nom, parce qu'on avait fait des essais avec des collègues. Et à moi, ils devaient me prendre, pas mes collègues, du coup, j'ai pas voulu. Et moi, je continue, et arrivé un junior, junior 2, je jouais avec l'équipe première, ça faisait 2 ans. Et il y a le beau-père Kakoun, c'est le joueur avec qui je jouais, qui était chauffeur de bus de Martigues, des pros. Et lui qui me dit, Fred, regarde, mon beau-père, il t'avait joué, ce serait bien que tu viennes faire un essai à Martigues. Bon, moi, je voulais pas trop, parce que je devais rentrer chez les marins-pompiers à Marseille. Et au Merlin, dans mon club, tout le monde le savait. Et comme il y avait beaucoup de pompiers qui jouaient, dont le père et un pote, Mika, il me dit, non, tu vas faire l'essai, et les pompiers, si tu vas faire un pompier, tu feras plus tard. Et je lui dis, non, moi, je vais pas. Parce que je vais partir dans la marine, je vais être marin-pompier. Et truc l'autre, non. Alors il m'a dit, de toute façon, j'ai bloqué ton dossier, mais c'était pas vrai. Mais moi, j'ai des creux. Et je fais un essai. Premier essai, je le joue sans vraiment le jouer. En vrai, on joue sur la pelouse, un lever de rideau, je me rappelle, c'est au mois de juin, de Montpellier, Martigues-Nice. À Francis-sur-Camp. Non, Martigues-Nice à Gignac, c'était pour la... Coupe de la Ligue, parce qu'avant la Coupe de la Ligue, c'était l'été. C'était l'été. Je vois le verre d'eau, c'était à Gignac. Et on avait gagné 1-0, mais j'ai fait mal bidon. Et tout le monde le savait, que j'avais pas joué, parce qu'il y avait mon entraîneur qui était venu me voir. Et
Et là, il vient me voir, là, je me rappelle, mardi à l'entraînement, parce que j'avais, on s'entraînait encore au Merlin, il vient me voir, il me dit, ouais, je sais que tu as fait esprit. Ton dossier, je l'ai levé, tu iras pas chez les pompiers, tu feras ce que tu veux. Mais il savait que c'était mon rêve de rentrer chez les pompiers. Et il m'a dit, écoute, voilà, je vais le reprendre ton dossier à une condition que tu joues. Tu vas faire un deuxième essai, tu le joues. Ça se passe bien, mais tu restes, ça se passe mal. C'est ma parole, c'est ma parole d'homme que tu ne. Voilà. Mais joue. Et là, que j'ai fait, je l'ai écouté et on joue contre Montrenon-Bonneven, un club de Marseille, à Marseille, avec Martigues. Et là, on joue sur un terrain d'air et moi, c'était mon terrain. Et je fais un super match. Et de là, l'entraîneur de Martigues me dit bah, je te prends avec nous, tu signes avec nous. Un peu. Bon. C'est bizarre, c'est le rêve de tout le monde et toi, tu es un reculant. Ouais, c'est pas mon rêve. Et bon, je le fais, tant bien que mal. Et il fallait signer avant le 31 juillet, je crois. Et là, 27 juillet, j'y vais pas, 29, 30. Et 31 juillet, je crois, ou un truc comme ça. L'entraîneur, il me dit non, non, il faut que je te mène. Et il y a un ami de mon club, il me mène en catastrophe chez le docteur à Martigues. Catastrophe, c'est, il y a quand même 35 minutes hein, d'où j'habite. C'est le médecin à Martigues qui pour me faire tamponner la licence pour qu'il envoie. Et je signe à Martigues le dernier jour, mais vraiment pratiquement la dernière heure. Et c'est en 92. Et je reprends avec la réserve. Et je reprends avec la réserve, mais je joue avec les juniors. Et là, pendant la première année que je suis, j'arrive au centre le matin, la première fois. Et tout le monde a des affaires de Martigues, et il n'y a que moi, le directeur du centre, il me dit, je me rappellerai comme c'était hier, non, non, il n'y a pas d'affaire pour toi, tu t'entraînes avec nous parce que on nous a obligés, en gros. Parce que c'était Patrick Daud là, qui avait appuyé aussi, c'était un ancien joueur de Martigues qui est tombé en main. Et j'étais le seul, on partait en déplacement avec les juniors, j'avais pas de survêt. J'avais pas de survêt du club, ni d'entraînement, je mettais mes affaires, et là, ben, il y a un truc à moi qui me dit, ben, cette personne-là, je vais tout faire pour lui montrer. Ben, je peux dire son nom, c'est M. Sabiani. Alors, je suis à l'aise avec ça, et il le sait. Et je lui dis, cette personne-là, ben, je vais lui montrer que je vais réussir sans ses affaires. Ça t'a boosté en fait. Ouais. Et voilà, et je joue avec les juniors. Je m'entraîne avec la réserve quand même. Et je joue avec les juniors. Et l'entraîneur des juniors, c'était Jean-Michel Fouché, qui est devenu recruteur à Montpellier maintenant. Et lui me fait jouer, ça se passe bien, on avait de superbes équipes et on gagnait. Je crois qu'on fait un test junior de ligue. Sur les 15 premiers matchs, on fait 15 victoires, on était premier, on était en quart de finale de la Coupe Gambardella. Et au mois de février, Jean-Michel Fouché va voir l'entraîneur de la réserve, il lui dit il faut le faire jouer avec vous parce qu'avec nous, il ne sert plus à rien. Et l'entraîneur de la réserve ne voulait pas, parce que le directeur du centre ne voulait pas. Et il va voir, c'est l'entraîneur de l'équipe 1, c'était Saramagna. Il va voir Saramagna, il lui dit, écoute, j'ai un jeune qui est avec nous, qui joue avec les juniors, je pense qu'il peut jouer avec la réserve, mais les excuses, il sort en scène Saramagna, et l'entraîneur, c'était Michel Legros de la réserve, il lui dit, non mais il est tout le temps blessé, et je ne sais jamais blessé. Saramagna qui va voir Fouché, qui lui dit, mais pourquoi tu m'as dit ça, il est toujours blessé. Il a dit, non, non, il lui montre, j'ai fait tous les matchs, je ne suis jamais sorti, pas une minute. Et février, ouais, Saramagna m'impose de jouer avec la réserve. On joue contre Cannes. Et il vient voir la réserve jouer. Et je fais un très beau match milieu défensif. Et là, il rentre dans les vestiaires. Je me rappelle, j'étais assis. Il rentre. Et la porte est face à moi. Il rentre direction vers moi. Il me dit, à partir de mardi, tu t'entraînes avec les pros. C'est le seul mot qu'il me dit. À partir de mardi, tu t'entraînes avec les pros. Et là, il ressort. Il ressort et il s'en va. Le mardi, eh ben, je vais avec les pros, on entraîne à 9h30, j'arrive à 7h15. Ah ouais, j'arrive à 7h15. Et si je te coupe, à cette époque-là, Martigues était déjà en D1. Il était en D2. Et donc ils allaient monter cette année-là en D1. Il était en D2 et il arrive, il me fait, ben, à partir de là, tu vas venir avec nous. Mardi, 7h15, j'arrive. Entraînement à 9h30. Et j'allais à pied, parce que on n'était pas loin, on était à 2 km, mais c'était pas. On faisait ça quand on allait au stade d'entraînement. Et j'arrive, la personne. Premier joueur, non, premier, c'est l'entraîneur qui arrive, il est 8h15 et je me cache pour pas qu'il me voie. J'ai peur qu'il me parle parce que j'étais impressionné. Et je me cache, je me rappelle derrière les buissons, j'attends. Et les joueurs, ils arrivent, ils passent. Dans 2, 3, 4. Et à partir de ce que m'a dit, tu es à 9h. Et à partir de 9h-10, je sors
derrière les arbres. Là. J'étais resté au moins une heure. Je sors là, et je vais jusqu'à devant le VCR. Et là, j'attends devant la porte des VCR. J'attends. Et, alors, je vois Benarbia arriver. Benarbia, c'est... Je vois Gilles Petrucci. Je me dis, mais c'est un rêve, quoi. Je... Et Henri Canet, c'est le mythe, ah, hein, ouais, ouais. Et là, il y a Henri Canet qui travaille à la mairie. Et Henri Canet qui... Il arrive. Il est arrivé, t'es 9h05. Il arrive, il me dit, ça va, jeune? Il me dit, tu t'entraînes avec nous, je fais. Il me dit, bon, alors, tu vas t'asseoir ici. Parce que là, non, ça, c'est pas n'importe où, c'est des pros qui nous... Alors, je m'assois et tout. Et eux, les pros, ils avaient toutes leurs affaires, et moi, j'avais pas d'affaires, j'avais des affaires. Et là, Benarbia, il arrive, il me dit, mais sont où les affaires du club? Ben, je lui dis, je n'en ai pas. Et là, quand il dit ça, il va voir l'intendant, il lui dit, c'est pas normal, bon, on fait là, tout le pataquès. Et là, ils m'en donnent avec le pactage des pros. Et là, ça a été... voilà, pour ça, le pactage des affaires qu'avaient les pros. Bon, je m'entraîne avec eux. Et une semaine, deux semaines, ou le trois semaines, il y a... La réserve, elle joue, je crois, c'était contre... Je sais pas, c'était Toulon, ou je ne sais plus trop. Et là, l'entraîneur de la réserve, il dit, ouais, on a besoin de moi, en réserve. Et à Sarmagnac, il le reprend, il dit, mais depuis quand tu as besoin de lui? Il n'a jamais joué avec toi, et maintenant tu as besoin de lui. Bon, c'est pas ta caisse, je joue avec eux, on gagne... Et Sarmagnac, il dit, bon, c'est le week-end prochain, tu joues avec nous. C'est comme ça que c'est parti avec les pros. Et je suis avec eux, je reste avec eux. Et au mois d'avril, je fais un match en quart de finale à la Coupe de Provence contre les Algériens de Marseille à Orov, avec la réserve. On avait un match important avec les pros contre Ajaccio. Et Sarmagnac, il dit, bon, tu n'y vas pas, tu te reposes, parce que si tu prends un carton, tu ne peux pas être suspendu pour le match, on joue la semaine d'après. Et l'entraîneur de la réserve, non, non, on a besoin de lui, à tout prix, il faut qu'il nous le laisse, il faut qu'il nous le laisse. Et je crois que c'était un PH ou un DH. Et donc, on était premier en réserve. Et non, non, et j'avais fait deux matchs avec eux. C'est pas comme si j'avais fait 15 matchs, quoi. Et je joue avec eux, et là, je me fais fracture du tibia, péroné. Bon, fracture du péroné, pour moi, c'était la fin de... Pour moi, casser la jambe, c'était la fin du football. Fracture, voilà. Je me suis dit, je rentre au centre, c'était mort. Et l'entraîneur des juniors, Fouché, qui va me voir, qui dit, bah, écoute, je vais voir Sarmagnac, mais je vais tout faire pour que tu signes stagiaire. Voilà, stagiaire, c'est quand même beau comme stagiaire. Et il va voir Sarmagnac dit, non, non, le petit, c'est un stagiaire. Et je suis un stagiaire. Et au mois de juin, je reprends avec les pros. Et là, je joue mon premier match au mois de septembre. Et du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, je m'échauffais. J'étais dans les 16, mais je rentrais jamais. Je m'échauffais 45 minutes, jamais je rentrais. Jamais je rentrais. Tout le monde me dit, ouais, putain, tu rentres jamais. Et la chance que j'avais déjà d'être avec les pros, alors, ne pas rentrer, pour moi, je fais partie des 16 chanceux qui pouvaient. Et sachant que c'est le seul de ma génération à passer pro. Alors je disais que c'était bien, et un jour, ça m'a fait rentrer. Et à partir de là, c'est au septembre avec un D1, hein, parce qu'un D2, j'avais été en groupe. Et de là, c'est parti. Et je ne suis plus jamais ressorti. Et le club, au bout de 14e match, au bout de 14 matchs, il m'arrête. Sans me le dire. Parce qu'avant, dès qu'on faisait 15 matchs, on signait pro. Et 14 matchs ou pas, 15e match, je vais être Marseille, au stade de Logrome. Le mercredi, je suis titulaire. Il y a toute ma famille, c'était... Là, c'était tout mon quartier, tout le Berlin, tous les Hirondelles étaient là. Je me rappelle, ils étaient tous là. C'était je crois qu'aux Hirondelles, on pourrait faire des cambriolages, il n'y avait pas un appartement, tous les appartements étaient vides. Bon. Et là, on arrive à la composition à l'hôtel. Bon, je ne joue pas, mais bon, ça me faisait rien. C'était, je me disais, c'est normal, je suis jeune, il y a des anciens. Et là, je l'apprends plus tard que... Pounevati sort, ou je crois que c'est lui là, qui veut sortir pour me faire entrer. Parce que eux le savaient. Putain, et là, c'est pas moi qui rentre. Hein. Il fait rentrer un attaquant. Un autre défenseur sort pour me faire entrer. Ça marche pas. Un milieu défensif sort pour me faire entrer. Ça marche pas. Mais moi, je fais pas attention. Je suis pas dans ce truc-là. Et pour moi, c'est juste le choix de l'entraîneur. Et comme j'ai toujours respecté le choix de l'entraîneur, même quand j'ai. Même Bastien, je me dis, ben, c'est l'entraîneur qui a décidé, c'est comme ça. Le soir, je demande au coach si je peux rester ici.
Et le coach me dit, oui, mais je sens qu'il n'est pas bien, quoi. Il est mal à l'aise. Quoi. Mais pour moi, c'était parce qu'on avait perdu, c'était pour ça, quoi. On a perdu d'un. Et on continue, je rentre chez moi et tout, dans mon quartier. Alors tous les mecs de mon quartier, on prend le bus. Alors ça fait rire, parce qu'on part en bus, je pars en bus quand même. Je pars en bus, et il y a des supporters de Marseille et tout. Ils voient que j'ai joué, c'était le feu pour tout le monde, me voir moi dans le bus, dans le métro après le bus, avec mon sac de Martigues. Ah, c'était folklorique, parce que là on ne pourrait plus le voir, mais c'était bizarre. Et je rentre le mardi, je vais à l'entraînement et tout. Et putain, je sens l'atmosphère qui est un peu, qui est bizarre. Les joueurs avec moi, ils sont bizarres. Et là, je me suis dit, putain, j'ai pas le droit, j'aurais pas dû rester et tout. Et je vais voir Henri Canet, je lui dis, voilà. Parce que je les vouvoyais. Alors le pire, c'est que je vouvoyais les mecs avec qui je jouais. Je lui dis, ouais, excusez-moi de déranger, mais je voulais savoir ce que j'ai fait. Parce que tout le monde, voilà, je me sens mal à l'aise. Et là, il vient me voir, il me fait, c'est là qu'il me dit, petit, tu vas arrêter de me vouvoyer, déjà. C'est comme moi. Comme moi, dans ma tête, je ne veux pas être comme toi, c'est impossible, c'est monsieur Henri Canet. Et je lui dis, ça va être difficile, mais je vais tout faire pour vous tutoyer. Et il me dit, bon, tu vas voir le coach là et tu as une explication avec lui. Et ensuite, tu viens me voir. Le coach, moi je ne rentre pas voir le coach. Alors le coach, je ne peux pas le voir, je le laisse. Parce que pour moi, le coach, c'est. Et on part, je pars à l'entraînement et le vendredi, le coach vient me voir. Il m'a dit, tu viens dans mon bureau, on fait l'entraînement. Ouais, l'entraînement, tout l'entraînement, je tremblais, j'étais pas bien. Je pleurais avant l'entraînement, je dis ça y est, c'est bon, je suis plus avec les pros. J'ai dû faire quelque chose. Et je rentre dans le bureau, on fait l'entraînement. Coach, voilà, c'est toi. Il me dit, bon, voilà, il m'explique pourquoi je peux pas rentrer. Il me dit, le président, il veut pas. Et à un moment donné, je veux te faire rentrer. Il me dit, si tu le fais rentrer, je te vire. Et lui, son dilemme, il dit, ben, s'il faut me faire virer pour te faire entrer, ben, je me ferai virer. Et là, je lui dis, non, coach, c'est pas grave, j'ai la chance de jouer, si je suis pas pro, ben, je ferai des matchs, et c'est pas grave, et je retournerai chez moi et tout. Et c'est la première fois que je vois un coach pleurer devant moi. Et là, putain, il a mal à l'aise, je lui dis, mais c'est pas grave, coach, ne vous inquiétez pas. Et là, il ferme la porte, sort du bureau. Et deux minutes après, il rentre dans le bureau du président, mais j'entends gueuler, mais. Bon, je ne sais même pas son battu, mais vraiment. Fort, vraiment fort. Et là, il y a des joueurs qui vont voir le président, qui. Ça se passe pas trop bien. Et l'année d'après, bon, je reste stagiaire. Et ce président, bon, avec qui je parle plus, parce qu'il n'a pas été honnête, je lui dis, voilà. Bon, on m'a toujours appris le respect, mais vous ne m'avez pas respecté. J'aurais préféré que vous veniez me le dire. Et à partir d'aujourd'hui, voilà, c'est une personne que je ne respecterai plus. Et elle m'a dit, ben, c'est moi qui décide. Tu devais toucher, je me rappelle, c'était 13 000 francs. Tu toucheras 5 000 francs. J'ai dit, moi, je m'en fous, je peux même toucher zéro. Et le football, il n'y a que le football qui m'intéresse. Et je joue, et la deuxième année, ça se passe, la troisième année, ça se passe bien. Je suis bon et tout. Et là, on me fait signer pro parce que je fais 22 matchs, je crois, c'est obligé. Et je rentre dans son bureau et il me dit, mais ton salaire, ce sera ça. Je lui réponds, je lui montre la charte. Je lui dis, voilà, je ne veux pas ça, je veux ça. Voilà. Je veux minimum qui était proposé voilà, sur la charte. Je lui dis, je veux ce qui est proposé sur la charte. Parce que je ne veux pas, je ne suis pas de la pitié. Voilà. Et je veux rien de vous, je veux vous me donner rien. Et l'agent avec qui j'étais, l'année d'après, il a négocié pour que j'aie un peu plus. Voilà, et après j'ai joué des matchs. Et la dernière année de. Non, avant-dernière année de D1, Benarbia, la deuxième année, Benarbia s'en va, Pounevati s'en va, bon, tous les meilleurs joueurs s'en vont. Et là, ils recrutent. un recrutement un peu bidon. Et cette année-là, on descend la troisième année. Parce que la deuxième année. Vous avez été maintenu suite à une descente aussi. C'était à l'époque de l'OM, non ? La première, c'est l'OM. Ah, voilà. La deuxième, on termine dixième. Et je crois qu'une fois, c'est Toulouse. Je crois. Avec les fameux maillots Jurassic Park. Jurassic Park, hein, ouais. On a marqué ça. Ah, Jurassic Park, c'est mon maillot Jurassic Park, ouais. Tu l'as gardé d'ailleurs ? Ben, je sais pas si j'en ai un, parce qu'avant, on ne les gardait pas.
il fallait les acheter. Mais les acheter à la boutique, et il n'y a pas de prix. Ils sont mythiques, ces maillots. Ah ouais, Jurassic Park. Samarina et Jurassic Park. Samarina, oui. Je crois que Samarina, j'ai dit une, de ma belle-mère, je crois. Et la troisième année, bon, on descend, je crois. Il y a un an où on termine dixième, je crois que c'est la deuxième année où on termine dixième. Dixième ou onzième. Et fait une belle saison avec Benarbia, Tolo, Colo. Bon, il y avait Chintreuil, Bouquet. Pagal. Ouais, Pagal, Jean-Claude Pagal, lui, il était mythique. Anziani aussi, non, ah ouais, ouais. Oh, lui, quel Mazzolini. Joueur. Alors lui, Anziani, je crois que c'est impressionnant. C'est joueur d'équipe de France, ouais. Notamment. Ouais, c'était un grand joueur. C'est, techniquement, il était. Maurice Bouquet. Momo, c'était le capitaine. Ouais, il avait une belle équipe. Momo, je venais le chercher tous les jours. Tous les jours, je passais le chercher. Et on payait 100 francs, il fallait donner à la caisse pour la caisse. Et après, il y avait des amendes, mais là, c'était 100 francs par mois, il devait payer. Et moi, je ne les payais jamais parce que je le prenais tous les matins et lui payait 100 francs. Parce que tous les matins, je le prenais en voiture. C'était, c'est fou, cette équipe-là, c'était, elle était exceptionnelle. Elle était, ouais, c'est pas la meilleure équipe avec qui je jouais, mais je crois que c'est les meilleurs mecs avec qui. Alors tu joues encore ensuite une petite année en Ligue 2. Un des deux. Mais j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière et sur les championnats du monde militaire en 95. 95, ouais. Donc certains l'ont oublié, mais vous finissez champion du monde. Ouais, on était champion du monde militaire. Avec Roger Lemaire comme coach, avec une équipe avec notamment Rouvière, Coco Michel, Van Nieuwenhoorn, Dupois, il y avait Samy Pois, il y avait Dorasso, Dacour, Vic Dorasso, Liv Dacour, non, on avait Thomas Debenest, on avait Victor Fernandez, Vincent Fernandez dans les buts, il y avait Franck Raviot, voilà. Martigues aussi. Ouais, qui était à Martigues, Alain, bon, mais t'as l'équipe de France, hein. Non, non, on avait les Bordelais, Toys et Istiol. Ah non, on avait une équipe, bon, on avait une équipe. Et juste avant la Coupe du Monde, on fait le tournoi de Toulon, on perd une finale contre le Brésil. 1-0, pour un but à 80e, je crois, la fin du match. Et la Coupe du Monde, c'est en Italie. Et nous, on dormait en caserne, on était 10 dans les lits, vraiment les lits picots de la caserne, là. Avec les draps qui piquent, les couvertures qui piquaient, ah. C'est là qui. On dormait là, on était 10. Je me rappelle comme c'était hier. Et tous les soirs, on mangeait dehors. Tous les soirs. Et je me rappelle, les Italiens, ils dormaient pas là, ils dormaient à l'hôtel. Les Italiens dormaient à l'hôtel, ils dormaient pas. Et chaque fois qu'on sortait, les gardes, parce qu'on était dans une caserne, les gardes, ils disaient, ouais, de toute façon, les Français, faites qu'on sortait, vous allez perdre. Et on mangeait un restaurant de face, on mangeait des pizzas, les pâtes. Parce que c'était ça, de toute façon, c'est. Mais la première fois que j'ai mangé des pâtes à 9h du matin, c'était en Italie. Et là, on joue le tournoi, et le premier match, on gagne, deuxième. Quart de finale, demi-finale, on prend. Je crois que c'est. Attends, je vais t'arrêter, parce qu'il me semble qu'au contraire, vous faites des débuts plutôt mitigés. Non, mais on gagne, c'est le premier match, je crois qu'on gagne. Contre l'Iran, il me semble, vous perdez le premier match. On perd 1-0. Voilà. L'Iran. Après match nul contre la Corée. Et après on gagne, il faut se qualifier pour gagner. Il faut gagner 7-0. On gagne 5-0 ou 6-0. Ce que j'ai vu, c'est 9-0 contre le Canada. C'est 9-0, j'ai pas l'impression que c'est 9-0. Il fallait leur remettre 7. Je pense qu'on gagne 5-6-0. Mais le Canada, c'était moyen. Hein. Non, c'est une équipe de collègues. Mais l'Iran, c'est l'équipe nationale, par contre. L'Iran, c'est l'équipe nationale, c'est celle qui joue avec Léa, c'est les militaires. Et je crois que c'est vrai, peut-être 9-0, mais je ne sais même pas si Sam, il ne met pas un ou deux buts. Parce qu'au tournoi de Toulon, c'est véridique. Hein. Les Chinois ou les Coréens, ils passent devant et lui disent merci pour. Parce que contre eux, il a raté au moins 10 occasions. Et les seuls mots qu'ils ont appris en français, c'était merci pour. Ouais, ça a été mythique. Et on lui avait offert le maillot de la Chine, pour ça. Et l'Iran qui gagne 2-0, 2-1, demi-finale contre l'Italie. Et l'Italie, c'est Del Piero, Del Vecchio, ils avaient c'est eux qui devaient gagner, quoi. Sur le papier, c'est eux qui devaient gagner. Et l'Iran gagne 1-0. Je ne me rappelle plus, c'est pas Sam qui marque. Samuel Plouin qui marque. Ouais. Qui marche, c'est ça. C'est Sam qui marque, on gagne 1-0. Mais on fait un match où c'était vraiment un gros match. Et là, à la fin, ça a été énorme parce que là, je pense, l'image qui me revient, c'est
On l'appelait carte du monde, parce qu'il avait une tache là. Bon, il a une maintenant qui n'est pas bien. Hein. C'est David Sommeil, qui a eu un grave accident quand il était à Valenciennes. À Valenciennes, hein. Et nous, c'est son, le surnom, c'est Sommeil pas dormi, parce qu'il parlait toujours comme ça, il avait une voix un peu... Et lui, carte du monde, je lui dis, ouais, on a gagné, remontant sa tête, on a gagné la carte du monde. C'était ce qu'il avait une tâche ici, la carte du monde. Et on gagne, et franchement, si on gagne, c'est en grande partie grâce à Roger Lemaire, parce que c'était un mec, mais vraiment, j'étais content qu'il y ait la Coupe d'Europe en 2002. Parce que je crois que c'est l'entraîneur. 2000, ouais, 2002, c'est le match catastrophique. Et là, je pense que si lui, je pense que c'est lui qui nous fait gagner. Ouais. C'est un coach là qui, je pense qu'il a marqué toute sa génération. Sa génération 73, un peu 74, certains. Il court avec nous. Parce qu'au bataillon de Vimbé, c'est lui notre entraîneur. Il court avec nous. Il s'est entraîné avec nous. Et il nous a donné cet amour de jouer tous les jours. Il avait toujours une paire de Copa Mondiale dans la voiture. Et il disait des fois, il était en voiture. Et il voyait des jeunes jouer, il s'arrêtait, il prenait ses crampons et il jouait avec eux. Amoureux du ballon. Ah ouais, non, mais lui, il faisait des choses. Ah ouais, il faisait la collection des France Football. Et le malheur, une fois, on a pris son France Football, qu'on a tout, et on le passe. Parce qu'on lisait France Football, mais c'est cher, c'était 12 francs. Et ça passe. Et le dernier, il voulait, on s'est brûlé. Il nous a fait acheter, il nous avait demandé 12 francs, parce qu'il était abonné, à tous, pour acheter. Son France Football qu'il avait perdu, il nous avait pris, s'il veut bien nous les rembourser, tiens, parce qu'avec les taxes, ça fait... On gagne, mais on avait, au-delà d'un très bon entraîneur, qu'on avait un bon groupe, c'est que les mecs, tout le monde sortait, tout le monde. Même Franck Raviot, qui était le plus calme, mais, tous sortaient, on allait chez nos coiffeurs, ils nous faisaient des coupes, mais... Ah ouais, c'était impressionnant, ouais. On garde à vous le matin, des fois on n'allait pas, des fois il y en a un qui manquait, des mecs, alors on se faisait passer, les noirs on se donnait les mêmes noms, on se disait qu'on était passé, oh, ouais. Mais ils nous confondaient tous, ils croyaient que c'était tout le monde les mêmes noms. Alors bon, moi je ne me confondais pas avec Nakour, parce que Nakour il est quand même plus clair que moi, mais on se faisait passer, ouais, Ipoua c'est lui, moi c'est, après c'était moi, après c'est Mendy c'était lui, pour des fois qu'on ne voulait pas se réveiller au petit déjeuner, ils prenaient notre nom, on passait deux fois, mais les mecs ils ne se rendaient pas compte. Alors pour en revenir à ton parcours en club, donc Martigues ensuite descend en D2, végète même un petit peu en D2, et donc tu pars pour Bastia. Oui. Alors même question que tout à l'heure, pourquoi avoir choisi Bastia et quels ont été les autres contacts, s'il y en a eu? Oui, alors moi c'est la saison 97, la saison 96-97, on termine 3e avec Martigues, et c'est l'année où c'est la seule année où c'est que les deux premiers qui montent. L'année d'avant c'est les trois. Et l'année d'après, ils ont remis les trois. Et là, j'avais des clubs qui me voulaient, Marseille, et plein de clubs, Paris, mais c'était pour être remplaçant de Ngoti. Il y avait Naples aussi, pas Naples, Parme, je veux dire. Voilà, il y avait plein de clubs, mais la chance, ouais, c'est une chance d'avoir été là-bas. C'est qu'à Bastia, c'est Antonetti qui m'appelle. Fred Antonetti. Et c'est lui qui m'appelle la première fois. Il m'appelait chez moi, il me retient chez moi. Comment un entraîneur de D1, il me retient chez moi. Et comme moi, je suis le spécialiste de faire des coups et des blagues, je me suis dit, là, il va me dire, excuse-moi du temps, il va me niquer, mais à moi, il ne me nique pas. Tu parles que c'était lui. Et moi, j'ai raccroché. Il dit, ah, attends, comment m'avoir et tout. Et là, il me rappelle, il dit, bon, vas-y, je t'ai reconnu, c'est pas vrai, je sors des noms, il dit, ah, t'as fait enculer. Et je lui parle mal, en vrai. Et à un moment donné, il dit un mot et il bégaye. Il est un peu, je me sens lent comme moi, hein. Bon, un peu plus quand même. Tu as reculé. Et là, ça, il y a tout qui est revenu, là. Et là, pas bien, lui, il rigole. Et je lui dis, bonjour, M. Antonetti, pardon. Et là, il me parle et il me dit, voilà, je veux que tu viennes et tout. Je dis, ben ouais, je viens. Et je vais avec mon agent. On part pour voir le club, pour voir les installations. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à ma femme, mon père, j'ai dit, bah, je pars juste pour... je signe pas, on va visiter les installations. On prend l'avion et tout. Putain, j'arrive à Bastia, il fait 35 degrés.
manger en paillote. Putain, qu'est-ce que c'est beau ici. On voit que les beaux. On voit au siège et tout. Mon agent, je reste avec Antonetti, mon agent il parle. Je reviens, il m'appelle. Et là on va au bureau, monte au contrat. C'est 3 ans. Allez, moi j'ai même pas réfléchi. Mon agent avait tout négocié, j'ai même pas dit ouais, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Ouais. Je veux rien, j'ai dit, je signe. Je signe pour. Bon après c'est pas grave, c'est proscrit maintenant. Je crois que c'est 90 000 francs, je crois. Et j'avais 10% du transfert. Et comme je t'ai transféré 4 millions et demi, c'était. Et là, putain, je vais là-bas, j'arrive. Alors là-bas, j'arrive. Un pactage, j'ai jamais vu ça. C'est un gros sac avec des affaires, serviettes, mais tout, des cuissards, des tenues d'entraînement, on en avait 5. Moi, au premier jour d'entraînement, on fait l'entraînement, je mets mes affaires dans mon sac, je rentre chez moi, les laver. Et l'intendant qui me dit, bah, j'ai pas trouvé tes affaires. Comment je pense ? Je dis, non, j'ai essayé, tu les as chez moi. Non, ici, tu laves pas tes affaires. On lave rien. C'est la première fois qu'on faisait ça, qu'on avait toutes les affaires. Et là, j'ai puté, c'était quel club. Et voilà, c'est parti comme ça. Antonetti, il voulait qu'on le tutoie, mais moi, j'arrivais pas. Et comme la plupart, il y a des mecs qui l'ont connu au centre et qui ont joué avec lui. Il y a même Mamadou Fall qui a joué avec lui. Et pour moi, Antonetti, c'était. Et je vois Roll que je connais un peu de Marseille, parce que j'étais à Aix. Et là, je vois cette équipe. J'ai dit, putain, mais les mecs, c'est des bons joueurs. Quoi. Et voilà, c'est parti comme ça. Et... On fait la Coupe d'Europe, je vois Johnny Rep, je vois toute la génération. 78. Ouais, 78, sauf bon papy qui n'était pas là, mais il y avait deux Herbiques qui étaient notre entraîneur adjoint. Deux Herbiques, hein, qui. Et on voit toute cette génération-là qui viennent nous voir avant le match de Benfica, je crois. Et ces mecs-là, on arrive à la causerie, on les voit. Johnny Rep et tout. Oh là là. Là, on parle de. De légende du football. Légende du football, hein. Et ces mecs-là qui sont là et qui. Et là, Antonetti ne fait pas la causerie, c'est eux qui nous parlent. Et là, des frissons comme jamais. Bon, on rentre, on gagne 1-0. Benfica, au retour, on fait 0-0, on se qualifie. Personne ne nous voyait gagner. Que Benfica, ils nous ont dit qu'on avait un super terrain d'entraînement, parce qu'ils s'entraînaient au stade Fourian. Mais ils ne savaient pas que c'était un terrain de match. Ils croyaient que c'était un terrain d'entraînement. La même chose que Johnny Rep à l'époque, ouais, voilà. Mais ils ont fait la même chose. Ouais. Et encore à l'époque, c'était encore plus pourri que là. Parce qu'ils pensaient que quand ils voyaient des images, ils voyaient tellement de monde, ils pensaient qu'on jouait sur un terrain de 80 000. En fin de compte, il y a 10 000 sur le terrain, 11 000, je crois. Et voilà, 97, on fait une bonne année. Ce club fantastique, on a un entraîneur qui. Voilà. Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu. Et c'est même le meilleur entraîneur français, mais après, on regarde que son côté où il fait que gueuler, on regarde le côté où il fait que crier. Mais je pense que tactiquement, c'est un des plus forts. Alors tu as connu de toutes tes années Bastiaise, une sacrée génération de joueurs, je vais tous les mélanger, mais tu as côtoyé notamment, comme tu l'as dit, Cyril Roll, oui. Il y a eu Cyril Jeunechamp, oui. Franck Jurietti, Pierre-Yves-André, Frédéric Ney, Tony Vérel, oui. Nicolas Penneteau qui débutait, Michael Essien. Ouais. Donc tu as connu quand même de gros gros joueurs. Ouais. Wilfried Goel que j'ai interviewé il y a un an et demi, un super mec aussi. Ah mais Will, non, Will, c'est impossible de parler de Will à mal, impossible. Super mec. Ah mais non, mais c'est extra. Il est comme il s'habille, il est extravagant. Je crois qu'il a dû changer, mais il s'habille des fois un peu. Je croyais qu'il était bien habillé, mais t'es pas bien habillé. Non, on a. Ouais, non, on est super. J'ai eu Maurice, Gonfronek, Lilian Laslanda. Laslan, Moravchik, Piotr Chorzeski. Non, mais des joueurs que. Ah, très maintenant. Très ah ouais, ils joueraient n'importe où. Lilian Nalis. Ah ouais, et Nalis qui est à Lens maintenant. Essien, c'est pareil, Antonetti vient de nous présenter. C'est selon la deuxième fois qu'Antonetti revient. Qui était parti au Japon. Voilà, hein. Et il nous dit voilà, il y a un jeune qui a 16 ans. Qui vient du Ghana, qui va venir s'entraîner avec nous. Et on le voit, ce petit quoi, petit, il était costaud comme il est maintenant, ah ouais. Il était comme ça. Quoi. Et on le voit, bah ouais, c'est un bon joueur. Ah, il va jouer avec nous, ouais. Il s'entraîne avec nous. Bon, il parlait pas français, il parle anglais. Nous, on avait du mal à parler français dans l'équipe, alors anglais. Et alors, le petit, il était là, on faisait semblant de parler avec lui.
parlais des mots qu'on a appris à l'école, mais que même lui, il ne comprenait même pas tellement. Il nous disait oui, il rigolait, mais il ne savait pas ce qu'on disait. Et il vient s'entraîner avec nous. Premier entraînement. Et là. Vous avez tous compris. On essaie de mettre des coups. Ça ne bouge pas, on saute à la tête. Ben, il saute ça plus haut. Il frappe ça plus fort que nous. Il court ça plus vite que nous. Il y a toujours un truc. Et je me rappelle, on va voir Antonetti, nous les plus anciens. On lui dit, Fred, bon là c'est bon, je le tutoyais facilement. Parce que c'est le seul entraîneur qui nous a demandé de le tutoyer. Alors lui, il nous demandait de le tutoyer à tout. Et il arrive, il dit, Fred, ça sert à rien, continuez, il est trop fort. Et Antonetti l'arrête en plein milieu de la séance. Bon, il allait le faire, parce qu'il n'avait pas besoin de nous. Il arrête et il lui dit, c'est bon, tu t'en vas. Et il signe comme ça, en vrai. Il signe sur un entraînement. Sur un bout d'entraînement. Non, mais il était énorme. Après, ce qu'il était, tout le monde dit, ouais, il est fort au fur et à mesure, non. Quand il est arrivé, pour moi, il était encore plus impressionnant, parce que personne ne le connaissait. Bon, après, les grands clubs le connaissaient, hein, parce qu'il devait signer à l'AS Roma, il devait signer à Manchester United. Mais en Angleterre, il fallait qu'il soit prêté 4 ans, parce qu'il n'avait pas le permis de travail, il fallait être international, c'était compliqué. Et lui, il voulait pas. Et comme son agent, c'est l'ancien joueur qui était avec nous, Fabien Bifto, et il a mis à Basser. Franchement, je pense qu'il serait parti à l'OM, à Lyon, à Bordeaux, et ouais, il aurait joué n'importe où. Ouais. Est-ce que ton plus mauvais souvenir de la période Bastiaise, c'est cette finale de Coupe de France 2002, perdue au Stade de France, face au Lorient de Jean-Claude Darcheville? Ouais, et mon pote Pascal Bédrossian, c'était enfoiré. Et le plus mauvais souvenir. Ouais, c'est ça. Et peut-être ma dernière année, je pense. Mes dernières années, c'est un peu cette ambiance bizarre. Cet entraîneur de réserve qui est contre les pros. Ouais, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais celle-là, cette finale, c'est le pire parce que Lorient, on gagne 3-1 chez nous, on gagne chez eux. Bon, enfin. Cette coupe, on était sûr de la gagner. Et Robert nous a réentraîné. Ouais. Robert nous a réentraîné, ouais. On était sûr de gagner. On était parti le mercredi à Paris. Il a mis tout ce que. Voilà. Et le jour de la finale, plus rien. Après, on parle des sifflets. Mais oui, Jacques Chirac avait failli quitter la tribune. Ouais. Après, personnellement, je défie quiconque sur le terrain qui doit vraiment entendre les sifflets. Parce que moi, personnellement. Mais pas pour protéger l'un ou l'autre. Si les gens de la tribune ont entendu ce qu'il y avait. Mais moi, personnellement, j'ai pas entendu siffler. J'ai entendu des sifflets quand on est rentré. Mais Lorient, pour nous, je sais pas. Des deux côtés, après vraiment siffler à Marseillaise. Non, parce qu'on était. Personnellement, j'étais dedans. Donc, j'ai pas entendu. Après, Chirac, ça nous a fait bizarre qu'ils ne soient pas descendus. Qu'ils ne soient pas descendus de la tribune. Parce que. Je pense que c'est la seule fois où un président ne s'en pas à la tribune, je pense. Et même si ça avait été sifflé, ou oui, ça a dû être sifflé, ou quoi que ce soit, je sais pas. Et je pense que, à un moment donné, c'est comme tout, c'est un protocole. Et à la fin, c'est moi qui monte le premier, parce que je tiens les sorts, et c'est moi qui est capitaine. Et quand je monte, il me serre la main, et là, il me parle pendant 5 minutes. Et il me dit, si vous avez perdu, c'est à cause des sifflets, c'est à cause de tout ça. Bon. Mais après, c'était pas un grand connaisseur non plus du ballon rose, ça me souvient. Pardon. Tu l'as eu en travers quand il t'a dit ça d'ailleurs ? Ben, je l'ai eu en travers dans le sens que. Ça, c'est un fait de match, c'est un fait de jeu où voilà, ça peut arriver, ça sifflait. Je pense pas que ça nous a perturbé. Ça nous a perturbé, je dirais plus, c'est. Le fait de sortir, de rentrer dans les vestiaires, d'être dans les vestiaires, on sait pas dans combien de temps on est commencé. Que vraiment le. Le sifflet, parce que non, le sifflet, ça ne nous a pas. Le sifflet, ça ne nous a pas perturbé. C'est plus ça qui nous a perturbé. Voilà. C'est que lui ne soit pas descendu. Que, voilà, je pense que c'est tout ça. Après, Lorient a réussi. Hein. Après, vous avez rien à perdre. Ils sortaient d'une finale de France aussi. Perdu contre Bordeaux. Bordeaux. De la Ligue 1, voilà. Et ils descendaient en Ligue 1. Ouais, que de la Ligue, ils descendaient. Ils font deux finales et ils descendent. Bon, ils en gagnent une, ils en perdent une. Est-ce que finalement, le moment le plus intense de cette épopée en Coupe de France, c'est pas la demi-finale? Sedan, j'ai pas joué, je suis blessé.
Et j'étais au stade, j'imagine. Ouais, j'étais au stade. Et cette minute de silence, hein, je sais pas si tu t'en rappelles, ouais, tous les joueurs se regroupent, ouais, mais c'était pas prévu de faire une minute de silence. Hein. Et il y a une charpe de plomb qui envahit le stade, et il y a une minute de silence qui s'impose. Là, je pense que ce match-là, Sedan, on gagne 1-0. C'est pas Tony qui marque ou... Pas Damien Manso, peut-être aussi. Je sais plus qui était le buteur. Et ce match-là, je me rappelle, je me blesse au genou, une petite blessure, et ils auront tout fait. Le coach, je joue, mais là, c'était impossible. C'était pas possible. Et même moi, je pense que les joueurs ne savent même pas, en vrai. Parce que je suis dans les vestiaires et tout, c'est concentré. J'ai l'impression que tout le monde a réfléchi à la même chose, en vrai. C'est inexplicable, hein, tout le monde a réfléchi à la même chose. Parce qu'il n'y a plus un bruit. On rappelle, c'était les 10 ans du drame de Fourgagnac. Il n'y a plus un bruit. Et là, mine de silence. Alors, je pense que les joueurs ont dû le savoir juste avant, mais c'était bizarre, quoi. C'était. Et ce qui est beau, c'est qu'ils chantent l'hymne corse. C'est magnifique. J'espère que les gens pourront l'écouter une fois, mais ils chantent l'hymne corse. C'était avant, je crois. Et tout le monde le chante. Il n'y a pas un qui parle, parce que souvent il y en a qui sifflent, mais là c'est impressionnant. Chante qui me course. Et là, je suis dans la tribune, quand il y a la mine de silence, et j'étais sûr qu'on allait être en finale. Mais c'était. C'était écrit. Non, mais c'était sûr. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Franchement, rien. Il n'y a pas un truc qui pouvait dire, ouais, ça va. On va perdre. Il y a des matchs où tu te dis, bon, putain, j'espère gagner. Mais là, c'était. C'était à tout le monde. Ouais, je vais en finale, on va aller là-bas. C'est impressionnant. C'est les gens dans la tribune, les gens dans la tribune me parlaient, ouais, mais c'est bon, j'ai réservé. Mais c'est vrai, hein, j'ai réservé. Billet constant de France. Mais c'était impressionnant. C'est les mecs, ils pensaient même pas à leur boulot, parce qu'ils devaient travailler. Ils pensaient à aller au Stade de France, c'est bon. Mais c'était ça, quoi. C'était impressionnant. C'est se dire. D'être sûr comme ça de gagner, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'être sûr. Bon, mis à part des fois quand on joue une petite équipe où tu te dis bon, on va leur mettre 12, mais là c'était sûr. En plus, Sedan, c'est des équipes chiantes à jouer, c'était les Kings, c'était les voilà, deux blocs Mionnier, Satora, Jean-Louis Satora. Non, vous avez une Sachin à les buts. Et bon, c'était bizarre, quoi. C'était impossible. Se dire, mais c'était sûr. On regardait, je regardais les joueurs. Et je me dis, mais. C'est sûr qu'on va marquer. Alors, je pensais qu'on allait marquer des buts, mais c'était que 0. Mais on n'allait pas en prendre, mais c'était sûr. Le monde, le stade, le temps, il faisait beau. Mais c'était bizarre. Je sais pas. On dirait que. Même la tribune qui est tombée, j'ai l'impression qu'elle s'est reformée derrière, je sais pas, c'était bizarre. C'était l'ambiance qu'il y a eu, je pense que, moi je l'ai pas eu, j'ai pas connu, mais en 92, l'ambiance de Marseille, c'est ça, 92, oui. C'est ça. 92. L'ambiance de Marseille, j'ai l'impression que c'était, voilà, il y avait deux ambiances, c'était celle-là, plus celle-là, voilà, c'était bizarre. Après, qui envahissent le terrain, tous les supporters qui envahissent le terrain, mais et il y a un respect. Et les mecs qui s'arrêtent devant les vestiaires. Voilà. Ils ne sont jamais rentrés des vestiaires. Mais c'est impressionnant. C'est le dire, il faut le vivre. C'est bizarre. C'est tout ce qui s'est passé, c'est bizarre. Le respect des supporters. Il y en a certains qui ont appelé. Moi, il y a un mec qui a appelé son chien Mendy. non, mais c'est vrai. Qui a appelé son chien Mendy. Il y en a qui ont eu. On parle de la génération 98, où ils ont dit les noms, Zidane et tout, qui ont donné. Mais il y a des gens qui ont donné nos prénoms, nos noms, à leurs enfants. Vous êtes la génération marquante après celle de 70. Ben, je pense que ça a été. Je pense après 78. Il y a eu celle qui est montée avec la catastrophe, avec le maillot noir contre Nancy. En plus, c'est Casanova qui marche sur un centre de rôle. Voilà, c'était brillant. Mais je pense que. Même si 97 aussi, on a. Mais là, sur cette demi-finale, je pense que ça en fait beaucoup. On a vu des gens. La ville bleue et blanche, ça a été vu ça
pendant 78. Où les mecs, ils peignaient leur voiture. Nous, les mecs, ils peignent sa voiture. Non, mais c'est peignent sa voiture. Il avait mis le nom des joueurs sur sa voiture. Mais on a fait des trucs. C'est, on est allé en ville. Moi, je me rappelle, j'allais acheter le pain et après, j'y allais plus. Je le payais pas. On allait acheter un morceau de viande, le boucher ne faisait pas payer. Mais les gens, ils nous laissaient passer, mais c'est impressionnant. Les gens nous laissaient passer, à la caisse nous laissaient passer. On avait, vous étiez adulé, la façon de vous remercier pour cette émotion importante. Je pense qu'il n'y a pas un club, je pense au monde, et je pèse mes mots, qui peut vivre ce qu'on a vécu. Bon, moi, j'allais plus acheter le pain, le journal, parce que les mecs ne faisaient pas payer. Mais après, ils le prenaient mal, pourquoi j'y allais pas? Il le prenait mal, mais j'avais honte. Et les gens qui... les clients, ben pour eux, c'était normal. Pour eux, c'était normal. Je vais faire ma piscine. Le mec, presque, elle est gratuite, la piscine. Non, mais c'est véridique. On avait un sponsor, c'était Pago. Le mec, il me livrait une palette de Pago tous les mois. Et je payais pas. Non, mais c'est... C'était énorme. C'était... Franchement, ce que j'ai... Même maintenant, quand je vais là-bas, c'est... Il n'oublie pas. Ouais, j'ai été pour la... Bon, c'était pas pour les bonnes conditions, pour le décès de la femme à Fred Antonetti. Et en retour, elle dit, bon, je vais acheter la charcuterie. Et je m'arrête au boucher, mais le boucher, je le connais pas. Quand j'étais, c'était boucherie là, à l'endroit-là, elle n'existait pas. Et j'achète... saucisses, trucs comme ça. Je le connais. Je pense que c'est lui, mais c'est pas sûr. Lui, il était même pas né quand je jouais. Mais il est pas sûr. Et il appelle son père. Son père, je vois qu'il me regarde, mais... Il me regarde, mais gêné. Et à un moment donné, il fait... son affaire, peut-être 80 euros, 90 euros. Ouais. Et là, il me dit 15 euros. Et là, moi, pas bien, je lui dis, excusez-moi, mais je pense que c'est pas 15 euros. Et là, le mec m'a pleuré. Non, mais tu peux pas savoir, c'est mon idole. Et il me montre des photos. Il me met un album, il y a des photos, je suis avec lui. Et il regarde. Et voilà, on a fait des photos. Après, il m'a dit, tiens, mais tu donneras ça à ta mère, tu donneras ça à ta famille. Ah non, mais c'était... c'était... Ah non, mais c'est un truc. C'est... Et là, il n'y a qu'un an. Je pense qu'il y a un an. Il a fait une chose cette année, l'année dernière. Voilà, c'est quand même... Mais il n'y a que là-bas. Il n'y a que là-bas, quoi. Que je dis ça, quand je suis revenu avec Martigues, à Montpellier, c'était la tribune entière, les guerriers de Furiani, en gros, on m'a dit, voilà, il y a ma photo dans le tunnel, je suis pas corse, mais je me rappelle, ils m'ont dit, de toute façon, dans le journal, on va le débaptiser, et Mendy avec un I, voilà, ils avaient mis les Corses. Non, c'était, je pense qu'un jour, je finirai mes jours là-bas, ouais. Ensuite, donc, tu rejoins Montpellier. Ouais. C'est pas les meilleures années du club, avec notamment de la D2. Mais j'imagine que tu en gardes quand même de bons souvenirs, ouais. Et notamment du président Louis Nicolet. Oui, c'est vrai, mais c'est pas les bonnes années. Je pense que les jeunes qu'il y avait, c'était, je trouve qu'il y avait des jeunes à défaut. C'était pas... C'est vrai que le président voulait monter, mais je pense que lui aussi était lucide. On connaît pas l'équipe, mais voilà, il était tellement qu'il nous aimait que voilà, il faut être pour nous. Le club était pas bien, il mettait de l'argent tous les ans, et c'est vrai que c'est pas bien. Mais je me rappelle d'une phrase, c'est fille de l'ail, et je pense qu'elle a dû le dire à 3-4 ans, ou peut-être un peu plus. Hein, que si on en est là, en vrai. C'est, même Caro, je disais, c'est, il y a un match contre Laval, où on est 9. On est à 9, on est mené à 0. On est à 9 et on égalise à 9. Je crois qu'on joue tout la deuxième étape à 9, on égalise, on est solide. Et c'est ce match-là qui nous sauve. Et Philippe Delay qui disait, on oublie, mais c'est ce match-là, on n'est pas là, ben, le club peut-être n'est pas champion. Un match fondateur. Ouais, après, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai connu des mecs comme Carotti, comme Delay, avec qui on est devenus proches aussi. Mais dans le mauvais, parce que c'était pas les meilleures années du club, mais après, il y a eu du bon, parce que
même si c'est difficile, on se sauve après la défaite, à 3 journées de la fin, après la défaite, contre 4 journées de la fin contre Créteil. Créteil, ils ont 5 points d'avance à 3 journées de la fin, je crois, 3 ou 4 journées de la fin. Et on réussit à se maintenir, on leur passe devant. Le président Nicolin, on peut parler, je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour parler d'une personne comme ça. Je pense que cette famille a fait beaucoup pour le club, elle s'est investie beaucoup et elle le fait encore. Le père, exceptionnel. C'est vrai que quand ça allait mal, on continuait à 8h au mas. Oh, ça faisait mal à la tête, hein. 8h du matin, il continue de convoquer à 8h du matin au mas ou à 7h. Parce que lui se levait tôt. Quand on arrivait, ça rigolait pas. Hein. C'était. Mais après, il était comme ça. Mais par contre, il nous aimait, mais voilà, quand il nous prenait, qu'il nous embrassait, on sent qu'il voilà, il pouvait nous tuer après une défaite. Ouais, il avait raison, hein, on n'était pas bon. Mais quand on voyait après une victoire, ses yeux, voilà, ce qu'il faisait, ouais, c'est une personne extraordinaire. Je pense qu'heureusement que cette famille est là. Parce que là, on le voit dans la difficulté là, qu'il y a au football français. Mais ce club est encore là, quoi. Même si c'est un peu plus dur cette année, mais c'est, le club est là. Non, c'est. Ouais, ça ne s'oublie pas, c'est un mec qu'on ne pourra jamais oublier. Et ouais, la fierté, ça fait partie des personnes, je pense. On a tous 10 personnes qu'on est fiers ou qu'on est content d'avoir rencontré. Mais voilà, ça fait partie de ces personnes-là. Quoi, parce que c'est. J'arrive pas à le décrire parce que pour moi, il est indescriptible. Il est tout simplement. Ouais. Il n'est pas humain, parce que quand on voit ce que fait l'humain, on dit non, il n'était pas comme ça. Peut-être que c'est l'humain qui est. Peut-être c'est lui, et même c'est sûr, hein, c'est lui qui avait raison d'être comme il était, parce que il connaissait le nom de tous ses employés, il leur demandait ce que leur famille allait bien, ou leurs enfants, ou il y en a un que son petit était malade, même si l'autre il pensait qu'il ne le savait pas, mais il lui demandait les nouvelles de son fils. Moi c'était pareil, hein, si on avait un problème, non, c'était juste. Il est juste exceptionnel. Ouais. J'ai vécu 3 ans tant que joueur, mais je me suis bien éclaté. Et après je voulais arrêter parce que. Justement, tu me tends une perche sur ton arrêt. Est-ce vrai que c'est dû à la jeune génération, au fait que c'était des gens qui s'impliquaient pas forcément, qui ne vivait pas football, qui ne pensait pas football, ça t'a dégoûté et tu as préféré rester là justement par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas concevoir qu'on bafoue. Alors je dis pas un métier parce que pour moi c'est pas un métier, c'est une passion. Je pense que quand on fait du foot, c'est qu'on aime ça. Voilà. On ne peut pas faire du foot parce qu'on est obligé de le faire ou qu'on nous met un couteau sur la gorge. Je pense que le plaquiste, 95% des plaquistes sont obligés de faire ça pour manger parce que voilà, ils auraient aimé trouver d'autres. Et ce qu'ils aimaient à faire, ils auraient aimé peut-être être footballeurs, handballeurs. Et quand je voyais cette nouvelle génération qui arrivait, entraînement à 9h30, ça arrive à 9h15. On perdait un match, c'était pas grave, s'en foutait. Ils pensaient juste à s'acheter, comment s'acheter l'ordinateur, parce que c'était l'ordinateur ou la Game Boy. Après les matchs, on va sortir en ville parce que ou en boîte parce que les filles, à 22 ans, les mecs, ils avaient un peu d'argent. Voilà, et ils venaient à l'entraînement. C'est pour moi, ils ne respectaient pas le club. Ils ne respectaient pas le président, ils ne respectaient pas l'entraîneur. Ils ne se respectaient pas, parce que pour moi, ils ne se respectaient pas. Et après, nous les anciens, ils ne nous respectaient pas. Voilà. Un jour, un homme, j'ai attrapé par le col, je lui ai dit, écoute... Tu vas parler nous-mêmes ? Non, mais si un jour, il a le droit de parler, il pourra en parler. Je vais pas le nommer, le pauvre. Et je lui ai dit, écoute, je vais arrêter, parce que si j'arrête pas, je vais aller en prison. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et j'ai dit, comme tu n'es pas assez intelligent pour comprendre, un jour, je vais vous prendre, je vais vous tuer. Voilà, avec mes mains, je vais te prendre, je vais t'égorger. Et je l'avais pris, je l'avais collé contre le mur. Et le lendemain, l'entraînement... Je m'excuse. Après, ça m'a donné raison parce que
En fin de compte, des années d'après, c'était pareil, c'était pareil. Voilà, et c'est vrai que ça m'a... J'étais content d'arrêter, parce que je ne me reconnaissais plus avec ces mecs-là. Je me voyais, moi, à leur âge, je me voyais comment je me comportais. Ben, eux, c'était plus là. Tu vois un mec comme Carotti qui arrive, qui est là, qui... Le mec qui est demi-finaliste avec un Nantes de la Ligue des Champions, il est à Paris, Toulouse, qu'on sait quand même... voilà. Putain, le mec, il le voit presque... Non, c'est Bruno Carotti, quand même. De l'ail qui fait Bastia, qui fait Rennes, c'est quand même de l'ail. Tout le monde l'appelait Little Baggio, c'était vraiment... Et là, oh, ça bat les couilles, Philippe Delaille. Oh. Tu sais que... Qui c'est quand même ? Tu sais que c'est quand même... de l'ail international, quoi. Ouais, chez les jeunes, mais Carotti avec les espoirs, c'est quand même... Tu n'as pas le droit de ne pas les respecter. Pour moi, c'est Henri Canet, c'est Benarbia, c'est tout ça. On n'a pas le droit de ne pas les respecter. Ces mecs-là, c'est respect, voilà. Et voilà, et moi, je ne pouvais plus continuer. Et ça m'a vraiment bloqué pour le foot, de continuer. J'aurais pu continuer, j'aurais pu retourner à Bastia, j'aurais pu rester, j'aurais pu faire beaucoup de choses. Mais non, Et tu deviens coach? Ouais, et j'ai arrêté, et le jour, je vais voir Montpellier jouer. Et je sors du parking, c'est au mois de septembre, et le président qui me voit, mais... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis rien, tout, je suis là. Mes enfants, ils ne voulaient plus partir. On devait rentrer en Corse, et en fin de compte, ils voulaient partir. Ils ont voulu rester, du coup, on est resté. Et là, c'est parti. Viens me voir lundi au bureau, je vais voir le bureau, et là, il me fait bon, t'es sûr que tu peux pas continuer? Il me dit bon, ça serait bien que. Tu donnes un coup de main, je me rappelle. Mais il était fort. Tu donnes un coup de main à l'équipe corpo, mais tu joues que les matchs à domicile. Non, j'ai plus envie, président, de jouer et tout. Mais non, mais tu fais comme tu veux, tu as l'entraînement quand tu veux. Tu fais que les matchs à domicile. Après, si tu n'as pas envie, tu ne vas pas les faire et tout. Bon, allez, j'y vais. Et l'entraîneur, c'était Antoine Ifraya. Je vois Antoine et tout, je lui explique. Non, mais tu verras et tout. Oui, te prends un match, deux matchs, trois matchs. Les entraînements, je ne rate pas les entraînements, je ne rate pas les matchs. Et bon, ça s'enchaîne, je fais deux ans, on fait le doublé deux fois. Bon, après, voilà, après j'ai arrêté. Après, ouais, j'ai entraîné les jeunes, les petits, les tout petits. Quoi, les Benjamin, j'ai commencé. On gagne la Coupe de France avec eux, et après, ça monte. Ça, voilà, j'ai fait des Benjamin jusqu'aux filles. Tu t'entendais justement entraîner les filles? Non, je ne m'attendais pas. Après, je sais que mon nom a toujours circulé, parce que. Je connaissais un peu le championnat des filles. Mais non, après, ouais, ça s'est fait, c'est bien. C'est une expérience. Est-ce que je connais toujours une expérience avec les filles? Je ne sais pas. Je pense pas. Tu es en stand-by actuellement, ou tu te reposes, ou tu es à la recherche de nouveaux défis? Non, pour l'instant, là, je me laisse aller 3-4 mois. Je vais aller visiter les équipes qu'on va visiter. Je suis invité chez Galtier à Nice. Bon, c'est dommage, c'est pas ça. Alors, je vais passer une semaine chez lui, après, j'irai voir les entraînements aussi. Après, je ferai ça avec Gourvenec aussi à Lille. Et je ferai ça aussi avec Flo Maurice à Rennes. Voilà, je ferai ça avec les. Bon, c'est trois mecs qui sont devenus des amis, que je connais super bien. Alors, c'est pour ça que je vais profiter. Galtier, je l'avais déjà fait à Saint-Etienne avec lui. Mais là, je le ferai. Je vais continuer à le faire comme ça. Ça me permettra encore de rester, d'apprendre encore, parce que. Je pense que j'ai appris déjà beaucoup de galettes, parce que c'était notre entraîneur, quoi. C'était l'entraîneur adjoint quand j'étais à Bastia. Et après, j'ai appris énormément de lui à Saint-Etienne. Mais je pense que là, il est dans une autre planète. Je crois qu'il est dans une autre planète. Alors, c'est pour ça que j'irai voir. J'irai le voir, et après, c'est gentil aussi de leur part, parce que pendant les vacances, ok, c'est normal. Dans la saison, ils vont voir un casse-couille qui va être là, qui va poser des questions, ils vont manger avec lui tous les jours, il va falloir me supporter. Non, c'est bien, voilà, ça fait que je profite de ça, je continue quand même à suivre les matchs. Donc si un de ces jours, je te demande de venir commenter avec moi à la radio, tu serais dispo? Ouais, je suis dispo. Non, c'est en plus c'est pas mal. Je me suis bien éclaté. C'est bien. C'est
c'est notre façon de voir le match. Le regarder de supporter, c'est une façon. Le regarder d'un spectateur, parce que supporter-spectateur, souvent on fait l'amalgame, mais c'est deux choses différentes. Quoi, pour moi, je trouve que c'est deux choses différentes. Un supporter, c'est une équipe, un spectateur, celui qui veut voir le... Il est celui d'entraîneur. Et là, j'ai... Ouais, commentateur, je suis commentateur de balle, je suis pas comme vous, mais... Mais là, tu nous as pas écouté. Non, c'est le café du commerce aussi. Parce que je peux pas, je suis pas dans les vestiaires. Je peux pas savoir ce qu'a dit Reculo au jour d'Avranches ou Nico ce qu'il a dit. Parce que c'est toujours facile, parce qu'on entend, ouais, qu'est-ce qu'il fait. Mais non, non, on n'est pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans les vestiaires. Des fois, les joueurs font un truc, on dit ouais, qu'est-ce qu'il fait. Mais on sait pas. C'est l'entraîneur. Il faudrait. Moi, des fois, je me dis, il faudrait que les spectateurs, pas qu'ils rentrent à l'AVCR, mais qu'ils aient une caméra, ou qu'ils puissent voir une fois une causerie d'entraîneur. Juste avant le match, qu'ils s'imprègnent, ben voilà, grand écran, un quart d'heure avant le match, ben, la causerie d'entraîneur. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on va se servir, ouais, l'autre va tactique, ça va les coups de ça. C'est mais vraiment ce que l'entraîneur va dire au joueur. Voilà. Pour pouvoir, après, pour voir le match d'une autre façon. Parce que le match, on le regarde, mais c'est vrai, mais je le regarde aussi comme spectateur. Et il y a des fois, on va se permettre de dire des choses, mais qui sont peut-être dures. Mais c'est pas ce que le joueur doit faire. Non, on veut qu'il fasse un truc, mais. C'est pour ça que moi des fois ça m'aurait plus hein, que montrer ce que je dis ou écouter ce que dit l'entraîneur. Après maintenant c'est sûr c'est pas possible parce que ouais mais ça serait bien qu'une fois dans la saison tous les entraîneurs ben montreraient 20 minutes avant leur causerie. Voilà. Ouais, une fois leur causerie. Pour comme ça au moins je pense que le spectateur, le supporter va peut-être voir autre chose du joueur. Souvent on va dire, en fin de compte, ben ouais, c'est bien ce qu'il fait, ce qu'il a dit l'entraîneur. Il a dit. Après on ne sera jamais d'accord avec l'entraîneur. Ouais, la tactique, ouais, mais moi je préfère une 4-4-2, 4-3. Et peut-être l'entraîneur, c'est comme Nico. On va dire, ouais, pourquoi il a fait 4-3, pourquoi il n'a pas de suite passé à 3 derrière. Ben oui, parce que pour lui, peut-être ce système-là est le meilleur. Et le meilleur contre Avranches, voilà. Et ça s'est avéré que c'était sur la deuxième mi-temps que ça a été meilleur. Ben voilà, ben, à l'arrivée, il faut regarder. Pour moi, je regarde le verre à moitié plein. Alors, ils ont perdu 7. Mais pour moi, il a gagné la deuxième mi-temps. Voilà. Moi, je vais avec Nico, je lui dirais, ben, Nico, quand même, il y a un truc. Poulet, tu as gagné la deuxième mi-temps. Et tu as gagné avec les principes que toi, tu as voulu. Ils t'ont moins mis en danger. Tu as été plus les mettre en danger, voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Là, il peut se dire, ouais, il faut que tu t'appuies sur ça. Mais ta première mi-temps n'a pas été, ben voilà, tu peux t'appuyer sur ça. Après, voilà, sur ta première mi-temps, il y a ça, il y a ça. Mais pour moi, je le verrais plus, on dit, ouais, il a perdu la deuxième mi-temps, mais il a perdu le match, c'est sûr. Mais il a gagné cette deuxième mi-temps. Et pour lui, il faut qu'il se dise, ben ouais, j'ai gagné la deuxième mi-temps. Après, il le verra, je lui transmettrai. Ouais, après, c'est sûr, c'est compliqué quand t'as l'entraîneur, dire ouais, j'ai gagné une demi-temps, mes couilles. À l'arrivée, le résultat, j'ai pris 0 points, oui. Mais moi, j'aime regarder, je suis plutôt optimiste dans l'âme. Peut-être trop par moment, mais je préfère l'être. Je me dis plus, ouais, ce que tu as fait, ben ouais, c'est bien. Sur la demi-temps, ben, tu as appliqué, les mecs ont appliqué ce que tu as fait. Après, il n'y a pas tout qui est beau. Mais à un moment donné, est-ce que tu as été mis plus en danger en première ou en deuxième? Voilà, il faut regarder. Voilà. Est-ce que tu as été mis plus en danger? Est-ce que tu as eu plus de situations? Est-ce que tu as eu plus d'occasions? Est-ce que tu as eu plus d'opportunités? Et là, je pense que c'est ce qu'il fait, parce que c'est un super entraîneur. Et voilà, et je pense qu'il va s'appuyer sur cette deuxième mi-temps. Mais après, peut-être pas tactiquement. Peut-être il y a d'autres choses que lui a pensé. L'esprit de groupe, comment ils se sont remis dedans, comment des joueurs, ben, on a plus vu des joueurs, voilà, c'est tout ça, c'est tout ça.
Comment l'autre qui est rentré, Jérémy. Comment on se fait deux fois, il met les buts, putain, mais comment ils arrivent ces buts? Mais oui, je suis pas plus intelligent plus grand qu'un autre. Et encore, Nico, c'est, il a beaucoup plus d'expérience que moi, mais Nico, dans sa tête, je sais, c'est ce qu'il va se dire. Voilà, comment lui, comment l'autre, comment ça, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a fait ça. Là, c'est toutes ces choses-là. Que c'est bien quand on commente, il y a des choses que. Que moi, même moi, je me suis mis. Je me dis, mais putain, mais en vrai, des fois, il. C'est vrai que des fois, on est contre. Ah, je le dis, des fois, ils cassent les couilles. Les mecs commentent, ils savent quoi. Alors, on va tous dire, ouais, c'est pas jouer au football, ça lui donne un ballon, c'est pas jouer. Mais Giroud aussi, c'est pas jouer au football. Mourinho, c'était pas un joueur de football. Un garde de but, t'es moyen. Non, mais à un moment donné, Maradona, c'était un grand joueur. Mais c'est pas pour ça qu'il est un grand entraîneur. Hein, c'est. Gérard Houllier n'était pas joueur, il était prof de sport, ou prof d'anglais, je veux dire. D'anglais. Voilà. Mais il y en a encore, il y en a plein, il faut qu'on arrête avec ça. C'est le football n'appartient pas. Après, il y en a qui. Moi, je suis mon adjoint, qui sera mon adjoint plus tard, Baptiste Merle. Puis tu m'as fait ça, toi, d'ailleurs. Il n'a jamais fait de carrière. C'est. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Non, c'est le meilleur adjoint, déjà, qui est ici. Et après, je pense que il est trop en avance sur son temps. C'est le jeune qui est en avance sur son temps. Quand il parle, quand il. Moi, je lui demande de faire une séance. Je lui dis, on va travailler ça. J'ai même pas besoin de lui répéter. Ouais, il me sort, ça. Je lui dis, on va faire ça. Boum, il fait une séance qui va être. Voilà, c'est. Il comprend tout vite, il pense tout vite. Il fait tout vite, et après c'est un mec sur qui on peut compter à 100%. Voilà, c'est des mecs, je sais que Seth l'a eu, Bézier l'a eu. Après c'est tant pis pour eux, et c'est bien pour Montpellier d'avoir ce mec-là. Mais voilà, c'est pour ça que avoir du recul, on parle toujours à les mecs ça n'a pas joué, les mecs n'ont pas joué. Non. Ça va venir. Faut qu'on arrête. Il y en a qui ont été très bons et. Après je peux comprendre des fois, après c'est le supporter qui parle. Des fois le commentateur ça devient le supporter. C'est le supporter qui parle. Et c'est là, c'est plus le commentateur, c'est plus lui qui va commenter le match. Parce qu'on prend le même. Si demain, ben, je te prends, tu vas commenter Avranches-Thionville, ben, tu vas pas avoir la même passion que cette Avranches. Ben voilà, tu vas être commentateur, tu vas commenter, ouais, putain, c'est bien passé, oui, on a aimé le 4-3-3, mais est-ce que le coach a dit. Voilà, tu vas. Voilà, ce qui est normal. Moi, c'est ça, des fois, c'est. Moi, c'est pour ça que je supporte pas les gens, les tribunes qui gueulent, qui sifflent, qui critiquent, qui parlent comme un supporter, qui. Voilà, le mec, voilà, une fois qu'il a marqué, qui dit, ouais, c'est le meilleur, voilà, lui, j'aime bien, voilà, j'aime bien ça. J'aime bien ce mec qui. Ouais, Andy Dolo, il est nul, là, il a raté les manquables. Et à 95e, il fait un saison, il marque. Ouais, Andy Dolo, c'est le meilleur. Ben ouais, lui, j'aime bien. Ben ça me fait penser, c'est le président. Voilà. Il va nous tuer, deux semaines après, on est les meilleurs. Voilà. Mais il y en a où c'est méchant, quoi. C'est même plus. Après, il y a des joueurs aussi. Il y a des joueurs, ouais, je comprends pas si, je comprends pas ça. Mais. C'est ça, c'est. Moi j'aime bien ce côté. Quoi j'ai aimé ce côté. Après, des fois, c'est bien un peu de mettre un peu de sauce, de piment. C'est bien. Hein. C'est quand même bien d'avoir faire une. Des fois, il faut commenter comme le café du milieu aussi. C'est à un moment donné. Elle me casse les couilles, lui. Ouais, mais. Non, mais des fois, c'est bien aussi. Parce que y a des matchs qui se passent rien. Et qu'on ne voit pas. Et ça, je l'ai toujours dit. Et le seul qui te fait vibrer, c'est celui qui va te dire, en vrai. Parce que si on regarde le match, si, et je l'ai fait des matchs pourris, bien sûr. Mais ouais, alors le ballon, ouais, à droite, ah putain, a perdu le ballon. Le mec va éteindre la radio. Ouais, putain de merde, putain, mais tu peux pas le donner ce ballon. Et là, des fois, on s'enflamme sur un truc qui. Faire vivre le truc, quoi. Oui, et là, et les mecs, on dira, je me suis régalé, putain, oh, tu as vu quand il a parlé de lui, voilà. Et je pense que même le joueur, il acceptera parce que c'est comme ça. Pourquoi on a toujours accepté Cers? Et
important. Parce qu'il fait les choses avec passion. Voilà. Et des fois, Serge, j'adore Serge, il le sait. Des fois, on a envie de le tuer. Mais pourquoi on l'aime? Parce que c'était ça, quand on jouait, des fois, on n'était pas bon. Des fois, j'avais l'impression que j'avais fait un truc extraordinaire. Des fois, on me dit, oh, putain, il paraît que tu as fait ça. Ouais, j'ai rien fait. Mais non, mais parce qu'il te fait vivre ce mec-là, on ne regarde pas le match. Mais on a l'impression que les matchs sont toujours meilleurs. Parce qu'il enflamme un peu. Et c'est ça. Il est un peu le bar du commerce, et le café du midi. Et c'est ça. Et ce qu'il faut, c'est ça. Mais après, il y a qui l'interprète. Après, on s'en fout qu'on l'interprète. L'essentiel, c'est l'émotion qu'on va donner. Et je trouve, écouter la radio, il y a des radios déformées, pourquoi on change? Parce qu'il n'y a aucune émotion. En tout cas, tu nous as fait vivre cet entretien. Je pense qu'on s'est régalé. Je t'avoue que avant l'entretien, j'avais un petit peu de crainte. Hein, parce que je pensais, ben, tu vois, quand on parle de clichés, on parle d'images, je pensais au Fred Mendy de Bastia, j'étais un peu sur la défensive. Parce que je te voyais avec les jeunes chats, les Jurietti, les trolls. Ça fait peur quand même. Oui, ben, alors, donc on est sur cette image, mais le terrain et la vie, ça n'a rien à voir. Alors surtout que jeune chien, c'est mon frère. C'est... On est frères, voilà, on est frères. C'est mon meilleur ami qui est dans le foot. C'est Roll, c'est pareil. Alors ça me fait rire parce que on est ensemble, on s'adore. Mais par contre, Roll, dans la vie, il dit pas un mot. Si elle met là, je sais même pas si on arrive à lui tirer 5 mots. Là. C'est timide. Toi, t'es timide aussi. Là, tu parles beaucoup, mais t'es timide quand même. Ouais, je parle pas. Ouais. Je parle quand je connais, je parle énormément, sinon je suis sur réserve. Jeune chien, c'est pareil. C'est après, pour moi, hein, le foot, ça reflète la vie. Hein, alors les mecs, c'est bagarreurs, ce qu'on veut, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'est-ce qu'ils sont, c'est qu'ils donnent. Ce jeune chien, il donne tout sur un terrain, il s'en fout. Il est à Nîmes, il est à Montpellier. Il est à Montpellier, il va se mettre contre Nîmes, il est à Nîmes, il va se mettre contre Montpellier. Et voilà, c'est comme ça. C'est sa famille, c'est ses valeurs, c'est comme ça. Moi, je n'ai connu des mecs, il était gentil avec le journaliste, il était gentil pour avoir un 6 sur l'équipe. Il mangeait avec lui, c'est des choses que... Non, je ne mords pas, au contraire. Noam, il me connaît bien. Mon frérot, c'est mon frérot. Il me connaît bien, le pompier, je sais. Bon, on le salue d'ailleurs à Noam, je pense qu'il se fera un plaisir de regarder cet entretien. Ah, il va regarder, Noam. Et encore une fois, un grand merci à toi. Non, merci à vous. Je remercie Jean-Christophe aussi pour avoir pu faire l'interview dans les locaux de RSL Radio. Ouais, et on prend note pour t'avoir un de ces jours donc, à la radio. Ah oui, il n'y a pas de souci. Allez, ça va. Il n'y a pas de souci, ça va, je ne suis pas loin de 7. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi.